Gros drame enregistré dans cité Doudoun en localité dans commune Kwade Bouquet. Chef gang cap dirigé cité ça, touyé maman ak papa, yon jeune petit garçon qui habite dans cité a sous prétexte que petit yo c'est tout la police. Yo vin derrière jeune garçon, yo pa joine ni, yo allé avec famille qui très âgé. Ces chefs gang cité Doudounan même qui commettent action si là. Yon l'autre bon, chef gang Chris là a frappé Grand Ravine ak village dédié bien fort là grâce à blindé yo te prend nan base Udmoa. Tout détail ça au pral vini et m'pa ka faire émission ça pour m'pa parler des décisions gouvernement dominicain prend là pour chasser depuis ces haïtiens qui la caillou. Et selon information que m'a gagné, bagala tellement difficile, président Luis Abinader vle, si y'a bon noir dans le pays, semblerait-il que c'est caoutchouc machine qu'elle suppose y est. Et quand ça grave là, dirigeant haïtien yo pa pété nan coton, bay haïtien yo senti nan moment, y'a konnen m'a suffé en terre voisine. Moi souhaite que nous bien, moi souhaite que nous en forme, moi souhaite que tout bagaille pour aller mieux, bagaille tout bagaille aller bien, non mais quand même. Mes chers amis, qui ont drame qui enregistré dans cité Doudoun. C'est chef gang cité a même qui commet drame si là et pas oublier cité Doudoun, li en bas tutelle l'homme sans jour qui c'est maître et seigneur base 400 Maozo. Chef gang ça qui pote nom Dominique Hilaire, un jeune petit garçon qui était capable prendre n'importe profession, on prendre honnête n'importe profession et il t'a fait profession ça, il t'a exercé profession ça avec en pile intégrité. Mais malheureusement, ces armes illégales, li choisi kende pour terroriser toute en population. Mais c'est ça boulé yon famille ensemble. Tenez bien oui, famille qui donc deux personnages qui c'est madame avec mouché, monsieur Troy Mounsayo. Sous qui prétexte, li fait qu'on est Mounsayo gen yon petit. Tenez bien oui. Le fait qu'on ait un petit garçon et petit garçon, il y aurait marqué que c'est tout la police. C'est-à-dire, monsieur, qu'on a la police. Bon, j'ai une information sur la cité de Doudoun, et tandis que jeune garçon s'est arrêté en densité de Doudoun. Je ne sais pas est-ce que monsieur a joué en wallet pour quitter la zone parce que il y a un peu mais les Dominique Hilaire avec les soldats qui sont dans la cité de Doudoun, les Ovini, la caille, grand monde, jeune garçon, yo mandé pour lui, messieurs dames yo dit ah, li pa la. Mais déclaration oui, messieurs dames yo dit ah, li pa la non, li font virer, li poko vini. Monsieur tourné encore, li pa jwenn jeune garçon. Au final, li estimé que parent jeune garçon ça que identifié en tant que tout est bandit, qui donc c'est parole qui a bail Dominique Hilaire qui c'est chef gang cité Doudoun. Monsieur prend des moun yo, tendez bien oui. Li allé ensemble avec yo, li allé avec des grands moun yo boyon rivière, bon rivière nous konn ki rivière, nous de rivière m'a parlé mes chers amis. Ou konn sa le fait? Li touye personnage yo et après ça, li mette di fè sou yo. Dominique Hilaire qui fait drame ça en dans cité Doudoun. Finalement, m'a mandé ki côté pays ça pralé. M'a mandé ki espoir pays ça. Yon étranger qui comprend créole à clair, captant des gens des informations ça yo, qui ça nous voulait comme respect libéral ba nou. Non, li pa jam ba nou respect, au contraire, c'est boudé, la boudé nous tout autant le capable. Bagala vraiment senti cri, bagala vraiment d'une pays à là et m'a dit ça tout moun net qui connait habitude. Bay on information concernant tel groupe armé qui dirige un quartier, une zone quelconque. Ou alors information ça bien important pour ouéter conversation ça si c'est sur WhatsApp pour est facile elle vraiment important parce que gen yon campagne qu'a fait là bon côté chaque voix ou chaque gangster dans pays là si tout monde qui kon habitué bay territoire risque information nèg yo fouiller téléphone moun parfois nèg exam campo c'est pas téléphone non besoin non yo faut retirer compte là rentrer dans contact ou rentrer dans conversation WhatsApp Messenger pour regarder est-ce qu'on a une conversation qu'on a bail est-ce qu'il y a tel groupe armé ou qu'on a bail information sur lui ça est important et journée jodi a nèg yo vraiment à la chasse
ou même qui qu'on habitué bail quelques éléments d'information, il est vraiment important soit vivre dans le pays d'Haïti pour dire conversation qu'on habitué gagner avec un monde quelconque qui dans média. Ça est important. Parce que bagala vraiment senti qu'une bagage l'état bagage pièce monde qui penser pour nous, c'est comme ça que bagala déroulé. L'autre cause, l'autre détail faut me dire nous, mon cher Chris là qui dans Fontamara en même temps qui c'est chef gang Tiboa qui fait partie de Estiti G9 en famille et allié, nous t'ai information déjà que Nek Chris là est entré dans base Tiboa, yo aller avec un chablende. Malgré Chris là li te fait qu'on est soi-disant yo remet yo te remet ça selon information qui a circulé sur réseaux sociaux. Et bien suite avec un média qui me capable faire confiance qui se sent info di fait qu'on est te chablende ça Chris a te prend en dans local Udmoua qui tout près yo. Et bien monsieur a opéré avec chasse là dans Matissan. Monsieur prend char pour attaquer nèg ravine yo pour attaquer et pour attaquer nèg village de Dieu. Et yo dit c'est pas des frappes que nèg yo prend là et à l'aide de chablende de ça monsieur Chris là sentil en forme. Li sentil ka bataille parce que li gon bagay peut-être qui ka prend frappement et li même pour bay frappe selon information. Ay di ah ouais, m'a dit ça clair. Journée jodi a compter sous douette depuis qu'il est l'état haïtien fait groupe armé ça au cadeau route nationale numéro 2 a. Kote sou doué tout. Pour depuis qu'il est nèg yo, yo c'est seul qu'on chante en de Matissan. Kote sou doué tout pour nèg sa yo, c'est même seul qui l'into en de Matissan. Kit Chris là, kit Bougoy, kit Tilapli, kit Toro, yo pote ki pote non Izo, ki fè konnen se musique la fè kounya. A di nèg yo tellement à l'aise dans société ami et mes chers amis, son bagay ki grave. Nèg la fè tout temps la théorison population. L'el senti à bout ou bien l'el senti le fait trop, li pon moun ki pou remplacer et l'agricole non l'autre branche tandis que toujours kembe zam nan men. Voilà vraiment compliqué et j'en pralé à la me senti gen gros kè kase ki annonce nan jou pral vini ou la et me dit jounen jodi a. Ou on propagande k'ap fait pou l'école pa ouvri, pa oublié. Moi m'ap di ça clair. Ou propagande ça, li gen on retombé, peut-être ou kapoko wel. Même imagine un petit monde qui a levé dans zone de non droit ça yo, il était qu'on à l'école forcé oui parce que petit monde dans grand boule pour l'école pas prendre en sérieux vrai. Mais quand même porte l'école là t'est ouvri. Mais journée jodi a gon on propagande, gon bagay k'ap fait là pour empêcher porte l'école ouvri, pita capable pitris. Parce que petit monde ça yo k'ap grandi a, yo pas wè l'autre image que plus grand qui a kembe zam. Ça t'est gen 10 ans après 3 ans qu'elle gen 13 ans. Ça que t'es gain 5 ans ou bien 15 ans après 5 ans ou al gain 20 ans, ça que t'es gain 5 pour al gain 10 après 5 l'année. Ou est qui ça qui annoncé dans l'avenir? En tout cas, si nèg tu peux la voir information, il est toujours là pour le bon genre détail pour nous faire analyse ensemble et analyse pas gain force côté, yo bien estructuré. Mes chers amis, moun ka viv, haïtien ka viv en terre voisine a connait un bagay qui vraiment dit pour yo. Nan moment émission ça a enregistré malgré moi gen moun haïtien oui sur réseaux sociaux tellement remet ma suivi que gouvernement dominicain a fait haïtien l'autre bois pas légal et ça légal tout a passé comme ma suivi yo prend plaisir dans ça yo remonté avec un paquet d'images ancien vidéo ancien côté immigration fait moun koui comme si yo content yo prend plaisir dans ça qu'a fait là. Mes chers amis, m'a dit nous ça clair. Haïti a konon bagay en terre voisine qui pa piti. Gouvernement dominicain, président dominicain, il prend décision pour le voyer en ban à un paquet haïtien retourner la caillou papil et pa makon. Et gen gros autobre dans gouvernement fait konnen, yon haïtien pa légal, pa même besoin choisi vin vivre dans pays Saint-Domingue. Ce soit yo ret la caillou ou bien yo aller plus loin, y a l'autre pays mais pas venir en République dominicaine si yo pas légal. Ça c'est déclaration yon nan zotobre gouvernement dominicain fait. Et l'autre détail encore, mes chers amis, pour moment m'a parle avec nous là gagnent à peu près 800 haïtiens que yo arrêté dans zone d'Abonne. Haïtiens qui pas gen papier. Gen papier tout parmi dit ti roche goûter graisse. Yo boté et ça grave pas même agent immigration non.
yo déployé force armée dominicaine pour aller ramasser haïtien. A dit bagala commencer changer phase, mais ou konn ça qui fait mal, ou konn ça qui indigné. On ka comprendre bagon gouvernement légitime, mais nous gen nek ka parler dans nos peuple là qui prend décision dans nos peuple là qui dans tête pays d'Haïti. Mais mon tweet, m'pa même besoin parler de Ariel Henry non, mais gen ou nan toyo là qui cap gérer ministère des affaires étrangères quand même. M'pense te ka gon bout parole, m'pense te ka gon tweet, m'pense te ka gon coup de fil qui t'a supposé fait pour t'a dit tant pri souple, on m'a levé, mais malheureusement pas gagné. Bagala commencé très senti cri et même lancer SOS, a lancer alerte là bay moun ki comprend créole très bien. Pour t'a relé instance concernée en République dominicaine pour t'a dit ah, Jean Bagala senti cri là, Jean Bagala pralé là, on fond apaiser, on fond lever, mais on met ton bémol. C'est très important. Nous connaissons grand pile là nous pral dit qui te vienne la caille, mais qui te vienne la caille chaque jour, voulez pas blé fort aller. Ou est qu'on bagaille que j'aime changer. On ouvre pour nous voulez bon changement dans pays là, gens li là, moi me dit ça clair. Si nous voulez pays d'Haïti changer, premier bagaille qui vous changer dans pays là, c'est peuple là. C'est habitants qui vivent là-dedans parce que t'as pas grand rien, c'est nous même qui problème pays d'Haïti. Si en public parler de fait avec mon expertise en question management international ou international. Nous vivons, nous retournons à l'école encore, nous faisons doctorat en administration des affaires et parallèlement aussi nous faisons le droit de l'immigration. Donc en gros, c'est au niveau académique. Publier avec des délivrances sous tout ça, ouverture, publier 15 livres sur d'abord Haïti, question vaudou. Au moins 4, écrit aussi sous loi, écrit aussi sous affaire tolérance religieuse, m'écrit bon, 2 petits romans sous culture haïtienne, et donc m'réfléchis aussi sous conditions de noir en Occident, et là, si Haïti miroir d'une société en position avancée, côté que nous réfléchissons sous mécanisme de sous-développement en Haïti, et alors là nous développons le concept de ce triple hold-up qui fait que Haïti bloqué lié là, bloqué côté lié là, le hold-up du pouvoir, le hold-up de l'avoir et le hold-up du savoir. Et enfin, nous publions le mois dernier. Un opus sous la vie et l'œuvre de Toussaint Louverture. Et donc, en gros, c'est ça. C'est haïtien voilà. Qui croit à venir pays, moi et puis même. Voilà. En tant qu'haïtien qui croit dans le pays, qui a vivre douloureusement à l'extérieur du pays, et avant nous entrer dans le sujet, n'a pas pour parler jeudi à Souli, qui c'est sous les dernières émissions que vous fait et qui fait un pile parler de lui, vidéo ça lui a poulé en boucle sous toile là et à qui sentiment docteur Jean Fizemé et en tant qu'haïtien et wap vive et quoi qu'à distance ça qu'a passé dans pays là état que pays ça lui tourner aujourd'hui. Bizarrement tristesse et encouragement parce que Haïti son pays béni et chanceux même dans notre monde. On va développer ça tout à l'heure pour montrer que à mon verre dans main ou et puis toujours en façon pour elle mais verre ça pas fini plein net. Et donc il y a des gens qui peuvent regarder vers là n'est-ce pas à moitié vide qui peuvent regarder là n'est-ce pas à trois quarts vide. Tandis que moi-même, m'a constaté, tant que tout le monde, le fait que gon vide dans le verre là. Mais étant donné plongé dans l'histoire pays, moi, m'a pas plus porté attention à partie qui plaire. Et donc, le porter attention à partie qui plaire, m'a bien retrouvé énergie
pour mal combler reste qui va plein. Et ça fait ça fait là Josué. Mm-hmm. Puis repenser c'est un bagage qui rivé ni pour première fois dans l'histoire nous. Mm-hmm. C'est un bagage qui rivé ni première fois dans l'histoire des peuples en général, c'est un bagage qui rivé ni première fois dans peuple noir non plus. Ça qu'a fait là, c'est ça relé yon ingénierie sociale, c'est ça relé yon chorégraphie sociale. Souffle, c'est ça que Antonio Gramsci a relé, yon subversion des esprits. Ça veut dire, y a metté des éléments en place pour faire collectivité à accepter yon projet macabre que yon gagne, mais yon pas qu'à déployer sans que yon pas mette chorégraphie en place. Mm-hmm. Et si on parle en termes de stratégie, voilà. Mais si on parle en termes de stratégie, on va relayer ça, la stratégie de l'anaconda. Comment l'anaconda, son gros couleuvre, enfin, le précédent invité africain, anaconda, comment le tuer poil? Il enroule autour de poids et puis il asphyxie, il l'abtouffe. Petit à petit. C'est ça. Ça que l'ennemi nous n'a pas connaît, c'est que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est indestructible, il est invincible. Soit regardez l'histoire du peuple haïtien. Il perd du bataille, mais il n'a jamais perdu la guerre. Le peuple haïtien, dans l'histoire, il n'a jamais perdu la guerre. Et ça, c'est important. C'est que tout ces ouvertures prend le son depuis la révolte Macandal. Il prend le son à Bois-Caïman, puis il dit, la peut-être perdu bataille, mais nous n'avons jamais perdu la guerre. Nous gagnons la guerre contre la France, nous gagnons la guerre contre l'Espagne, nous gagnons la guerre contre l'Empire britannique, même si nous avons perdu en pile petite bataille dans l'Empire britannique. Nous avons pris 5 ans pour nous mettre dehors, mais nous finissons par gagner la guerre là. Et donc, le peuple haïtien qui a perdu la bataille, il n'est pas qui a perdu la guerre. Et ça, on a fait là, pullulement gagné. La mort retentissante, et après il y a l'autre, la mort retentissante de Éric Jean-Baptiste que nous parlons. Pral gen l'autre, ou dit pral gen l'autre, et docteur. Oui, après il y a l'autre, et puis, mon cap mette ça en place, on connaît pral gen l'autre. C'est ça que je dis, on parle bon des informations de première main. Okay. Tant du point de vue balistique, on ne parle pas des scoops, je dis. On parle bon des informations de première main. On est croche là, vous. Si c'est vrai que juge d'instruction gagnait des vidéos de scènes de crime qui enregistrées. Et donc, soit que juge d'instruction voulait son travail pour élucider crime, ou bien la fait démagogie, même pour le bail des informations capable dès lors public et le juge d'instruction capable d'utiliser ou s'il voulait. Et audition de collègues ou Louko Désir et de l'autre là que les gens ainsi connus, ils ont participé aussi de manœuvres d'intimidation. Bah, pour quelle raison? On va regarder entre Louko Désir, son collègue Tijan ainsi connu, Lambert, Yuri La Tortue, Éric Jean-Baptiste et Assad Volsi, ou Gagnon Fil d'Ariane qui est le même. Ce sont tous des gens qui s'opposent à l'occupation étrangère. Et c'est comme ça qu'on fait. Pour décortiquer un crime, il faut faire scène dans le palais, ça que nous allons faire. Il faut avoir des données balistiques dans les mains que nous avons. Et puis, nous allons avoir des informations sensibles là. OK? Il faut avoir des données balistiques. Et moi, même tout qui l'a mort Éric Jean-Baptiste planifié dans qui cadre, etc. Ça, c'est un raté débat. Ah oui, bien sûr. Et l'homme fini, n'a pas le mettre l'a mort à un cadre qui est plus large, qui c'est. La contrariété de la bête, la grande puissance américaine est contrariée parce qu'il n'y a pas de prévoir cette résistance. De résistance de la part de certains influenceurs. Et vous mettez cette. Aïe, aïe, aïe. Communication un peu difficile. Est-ce que nous ça va là, professeur. Oui, on allait là. OK. Yo te mette ingénierie sociale ça en place suivant un autre code, yo rele Nemesis 2. OK.
chrétien choisit un autre code qui est le Némésis. Némésis, son mot grec qui signifie vivant, genre c'est justice. C'est comme si on n'a pas gagné en vivant, Jésus, le peuple haïtien. Et puis on te pensait que ça y est, avec des assassinats retentissants, pour assassinat Jovenel Moïse, assassinat Montferrier Dorval, tant pour le dernier en date, assassinat Éric Jean-Baptiste, nous avons arrivé dans l'heure et nous disons, mes amis, nous ne sommes pas capables encore, on nous mettait nos genoux pour nous demander blanc tout. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. Et puis ça a contrarié. La bête, elle est blessée. Elle est blessée dans l'orgueil, elle est blessée dans la chair. Elle. Et là, on continue à utiliser trois stratégies. Trois, ma baou. Première, c'est intimidation. Intimidation, on dit continue à assassiner. Mais on ne peut pas assassiner monsieur et madame tout le monde seulement. On va assassiner des gens qui ont des pouvoirs de convocation dans la société. Pour stratégie. Deuxième bagaille, il n'y a pas l'utiliser, il n'y a pas l'utiliser la stratégie de la carotte. Il n'y a pas de temps en temps, bon, petit bagaille pour faire qu'on content. Exemple là, département de la justice américain fait publier un rapport sur l'affaire assassinat Jovenel Moïse. Ça, c'est pour faire dormir. Il fait que sorti là. OK? Et ça, m'a déjà dit, dans mon émission de mercredi, il me dit, retenez-en. Mercredi dernier, ça veut dire deux jours avant. Retenez-en, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le saut de son rapport sous affaire l'amour Jovenel Moïse. Ça a pris au bord l'impression qu'il y a un travail pour justice. Ça, c'est deuxième élément de la stratégie. J'invite un élément à le faire. Il n'y a pas le fait diversion. Il n'y a pas le créer une série de bagailles pour détourner l'attention ou des choses futiles. Et puis, l'énoncer à Haïti. Parce que Haïti, c'est un plus bel pays du monde. Haïti, c'est un pays qui a un potentiel de richesse qui est extraordinaire parce que Haïti, c'est le plus grand exportateur de cerveaux au monde selon l'Organisation mondiale du commerce et la Banque mondiale aussi. Banque mondiale, ben, répétez ça, vous entendez. Banque mondiale dit Haïti en 2022, c'est le plus grand exportateur de cerveaux. Or, qui ça crée développement, c'est cerveau. Et même exportation de cerveaux, il est planifié aussi par le département d'État depuis 1915. Il dit, il n'y a pas le fait de la population haïtienne, ils ont main d'œuvre ville pour les pays de la région. Et lorsque pays et région, on va vous parler encore là. Pour tous les pays du monde. Et c'est ça qu'on met en place. Sauf qu'ils n'ont pas prévoir. Parce que les Haïtiens sont un peuple qui est imprévisible. Ils n'ont pas prévoir qu'il n'y a pas de résistance à l'occupation. Or, en termes de politique étrangère, pour arriver à faire occupation, les acceptabilités sociales. Par exemple, il y a pas le rapport au en Haïti. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de crise humanitaire en Haïti. Pas de crise alimentaire. C'est de la bullshit. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de crise alimentaire en Haïti. Donc maintenant, lorsque des influenceurs, tant que vous-même, tant que moi-même, qui vivent la caille, défaitent tout ça, nos propres médias, nous défaitent tout ça, nos propres langues, yo, yo vin contrarié, yo pas qu'à aller encore. Si bien que vous peut-être pas comme ça. Hier, le premier ministre du Canada, sur qui États-Unis étaient comptés pour diriger une invasion en Haïti, Trudeau clairement dit, et pas ça le prioriser. La pas le prioriser, ils ont appuyé à la police haïtienne, mais en mettant de l'avant le leadership haïtien. Ah oui. Et ça, mon ami, c'est une victoire pour la population haïtienne. Parce que, ou gagné depuis 2003, ce qu'on appelle le projet d'initiative d'Ottawa sur Haïti, le Canada a décidé que l'affaire de Tetli, un pays capable de faire des expériences de toutes sortes à la Frankenstein sur Haïti, pour que le fait des dents pour le développer d'autres tactiques néocolonialistes ailleurs en Afrique. Et puis, l'ITERE réussit. En 2004, parce que, parmi les Canada fait partie de pays, à côté de la France et les États-Unis, qui ont fait coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide, malgré tout défaut que le gagne et que nous reconnaissons, sauf que c'était un gouvernement légitimement élu, démocratique. D'ailleurs. Donc maintenant, depuis le ça, Canada a baissé toute qualité de formule sous nous. En 2004, le ayant renversé Jean-Bertrand Aristide, eh bien, peuple là, l'été, la garder occupation, MINUSTAH, etc. Sauf que le peuple a vite réalisé, MINUSTAH by choléra, MINUSTAH by sodomisation de nos jeunes, MINUSTAH by agression sexuelle des femmes, par les femmes et des hommes, par les militaires canadiens, entre autres, et pire, MINUSTAH by nous, n'est-ce pas, choléra.
Donc, l'on fait bilan qui fait en Haïti. Te dis là yo pas gain yon réussite qu'on capable de faire valoir yo te la soi-disant pour renforcer nos institutions démocratiques pas gain pièce institution qui renforcer la preuve c'est que pas gain pièce institution au moment que n'a parlé là debout il y a aucune institution régalienne qui debout seul sénat maintenant pour yon fin décrédibiliser dernier institution qu'on a parlé l'institution régalienne non et bien yon tout même les qui pensaient qu'au nom de la constitution on a capable de remplacer Ariel Henry c'est-à-dire Joseph Lambert bien monsieur pas crédible parce que li impliqué dans crime de droit de l'homme li impliqué dans drogue etc. Mais il dit nous t'es toujours comme ça de lui sauf que nous pas quitté dossier à fin complet ou comme ça envie fort là parce que tout fait que information yo gain sur Lambert yo pas vrai non c'est pas comme ça pour poser question faut plutôt c'est ça aurait une téléologie. Il y a toujours on pas dit théologie non téléologie le mot telos en grec signifie finalité l'on ouais yon chancellerie ou bien yon ambassade sorti yon nouvelle faut toujours m'endetter tout quel est le message sur le message puisque Lambert quel est l'intérêt avant yon assassiné oui bien sûr depuis avant yon assassiné Jovenel Lambert t'a toujours dit dans l'entrevue que le débat est à ou même pas ou même à votre collègue Valérie Dumas au Vision 2000 il dit moi osé parce que Constitution a dit que si élection pas gain en fait faut nous porter échappé à moins Constitution en main. Là donc Jovenel s'il mourit, eh bien Lambert fait plusieurs tentatives, il est passé au poil bail pouvoir là, puis on dit non, c'est pas où nous voulons. Et Lambert continue à résister toujours. Et sont bien gardés, j'en y a banalisé, j'en y a drivé Montana en tout réalisme, pas d'avenir la vraie, on va pas l'obliger à autre chose. Sauf que Ariel Henry n'a pas d'avenir non plus, ils le savent ça. Ça veut dire il y a pas calculé une alternative à Ariel Henry, mais on pas voulu que son alternative qui ait un vernis constitutionnel, qui ait un vernis institutionnel. C'est ça qui fait que là, ils ont automatiquement éliminé Lambert. Une fois qu'on éliminé Lambert, pas qu'à une solution institutionnelle encore. Il n'y a pas le bon constitution, il n'y a pas le bon une solution politique qui a pas le bon bouillardise, n'est-ce pas, une espèce de bouillon, pour que c'est toujours projet. Raison simple. L'intention première qu'il faut regagner assassinat, tout assassinat ça, yo, c'est parce que le plan Némésis prévoit que Foloville occupe Haïti pour faire main basse sur les ressources d'Haïti que Canada avec États-Unis considéraient dans le cadre du virage vers l'économie comme des ressources stratégiques pour eux. Pour yon fèl, fò yon gen la yon moun ki telman servi la yon mèm pou ki di rentre nan peyi a vin ede nou rezout problem sekurite a. E mèm fraz ouè, sa Ariel ki mande, Ariel nan rien mande, l'ambassadeur du Canada a demandé à Ariel de demander. Ariel nan rien mande, le secrétaire, voilà. Le secrétaire général de l'OEA a demandé à Ariel de demander, ce n'est pas une demande, et même phrase où est Généus dit aux Nations Unies, à savoir tout est sous contrôle, c'est une phrase qui lui a été dictée texto par l'ambassadrice des États-Unis. Oh là, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ah bon? Nous pouvons parler non de. C'est pas de phrase ministre, non? Ah oui, bien sûr, m'a pas le bon des informations techniques, puis m'a dit, mais qu'il a décidé d'assassiner Éric Jean-Baptiste, et mais qui m'a dit ça. Ok, très bien. On va remonter. Le Haïti commence à prendre l'embrouille devant problème de sécurité. La Chine, avec la Russie, dit, écoutez, nous-mêmes, nous pas gagné un déficit de crédibilité en Haïti, nous prêts à déposer une résolution sur la table et au terme de résolution ça, nous prêts, la Chine avec la Russie, à bailler un appui technique à la police haïtienne. Ok. Le Ariel dans des bagailles ça, écoutez bien, Ariel réunit trois mondes que m'a baillé en Haïti qui connaît question sécurité. Monsieur dit, nous besoin appui sécurité,
Mais il faut que l'appui sécurité n'a pas ni Canadien ni Américain. Écoutez bien, Jean-Marc. Parce que Américain avec Canadien n'a pas joué de bonne réputation en Haïti. Et les gens proposé, mon que Ariel t'a suggéré, ils ont proposé des noms de pays dans le Rwanda. Écoutez bien, Jean-Marc. Rwanda. Ils t'ont proposé, oui, le Rwanda. Ils t'ont proposé des noms de pays dans le Nigeria. Est-ce qu'on peut te dire? Je peux te dire, Nigeria, Rwanda. En termes de réunion, ça, ok? Réunion, ça a déroulé, n'est-ce pas, au mois d'août avec Ariel. Et puis, Ariel dit, mais pas de problème. La parler les grands frères pour nous voir ça grand frère penser. Grand frère, tout le monde connaît, c'est les États-Unis. Une demi-heure après cette rencontre, Madame Lalime, qui prend tête lui comme gouverneur, mais qui s'est assassin en chef d'Haïti. Gang barbecue, fait confiance, gang ça travaille directement pour Madame Lalime. Et ma balle bon preuve de ça. Quoi déclaration fait là, oui, docteur? Oui, ma propre pour vous. Où est le G9 de barbecue? Le G9 de barbecue répond directement à Madame Lalime. Ma balle bon d'être factuel de cela. Ah oui, bien sûr. Ma bon petit exemple. Regardez, bon, mets ton petit de l'eau dans le bouchon. Ok. Puisque la bête est contrariée, parce qu'elle peut qu'on rentre à Haïti, Cognière l'a intimidé tout le monde qui contre occupation, suppression de visa, utilisation d'interrogatoires musclés qui sont un synonyme pour torture. Et le dernier en date que vous torturez, nos entrevues qui durent plusieurs heures dans des conditions terribles, n'est-ce pas, en chambre froide, vous faites monsieur quasiment couche à terre, c'est Assad Volsi. Assad Volsi vini, il fait bruit avec ça, il n'y a pas d'entrevue qui paraît dans le Nouvelliste. Côté que Lydie, écoutez, mais ça n'est pas fait me suivre, etc. Souviens, regardez, moins de 48 heures plus tard, barbecue sorti, Lydie à Sadrolsi, ou ses frères, ou ses amants, ou ses collaborateurs, ou tes comptes vendent moins d'âmes, mais qui type d'arrouté par moi, et vingt-il menti. Quel est le but de cette communication? Téléologique, encore une fois. Quel est le message sur le message? G9 de barbecue a reçu l'ordre de Madame Lalime de venir justifier pour qui raison yo révoqué visa à Assad Volsi. Barbecue dit, eh bien, monsieur te compte vendre moins d'âme. Ce disant, li incrimine. Bien sûr, mais c'est ça le départ des dernières vidéos. Barbecue dit que Assad Volsi te compte vendre les âmes. Assad Volsi te vendre les autres. Quel est même pas dans qui circonstance? Donc, quel est le message de Barbecue sur le message? Eh bien, Barbecue est en train de dire que États-Unis ont raison de révoquer visa à Assad Volsi parce que même les États-Unis disent la vraie, Assad Volsi impliqué dans vente illégale d'armes. La preuve, c'est que les ventes les armes. Ce qu'on doit comprendre de ça, c'est que barbecue vient rendre compte que les tellement en situation de fragilité et de vulnérabilité, les pas capable de vivent tellement en désarroi, ils viennent à commettre des erreurs d'enfants. En sorte que chaque déclaration barbecue fait, exemple, nous regardons les dernières déclarations dimanche dernier là. Non, moment côté que ils ont dit que ça fait bien crise humanitaire en Haïti, c'est parce que le terminal de Vareux est sous le contrôle de gang, contrôle G9. Et puis, côté que nous dit mes amis, qui ça pour nous faire, etc. Comme par hasard, barbecue qui était contrôlé bagaille ça pendant 3 mois, il dit écoutez, je libère le terminal. Pour quelle raison? C'est parce que la prise de Vareux par barbecue t'est fait partie de l'ingénierie sociale là. On va pas contrôler Vareux pour faire que pas de gaz dans le pays. Hein? Ça permet de nous justifier notre narratif devant l'occupation internationale, que ça fait n'a pas l'entrée. C'est parce que Vareux pas sous contrôle de l'État haïtien, ni sous contrôle d'un gang, qu'on est qu'on vient rendre compte que le Canada pas voulu entrer parce que le rendre ni compte pas gain acceptabilité sociale. Justificatif qui te fait au quimpé, Vareux, vient pas camper encore, yo bye bye with your own, retire-toi, mets-toi au frais pendant quelques temps et attendez les ordres. Et donc, même vous, vraiment, barbecue retiré, le barbecue travaille pour Madame Lalime, il n'y a pas de doute. Et l'homme dit Madame Lalime, c'est aussi département d'État. Et sous bien regarder, tout message barbecue by ces derniers temps, il est allé dans la ligne de politique étrangère des États-Unis pour Haïti. Voilà.
Et donc, si vous permettez, nous allons aider à comprendre sens la mort, sens assassinat, parce que les mots ont leur sens. En entrée, nous allons aider à comprendre sens assassinat Éric Jean-Baptiste. On va commencer par les données balistiques. Je vais parler comme ça parce que nous-mêmes. Ici, Mazedeba. Ah oui, bien sûr. Voilà. Nous-mêmes, ou dans les médias, ou c'est dans l'émission qui parmi ça qui picouté en Haïti et à l'étranger, m'a fait là parce que m'dare même mon côté ou contraire en fait là. Et m'a fait surtout dans le but que si juge d'instruction voulait vraiment arriver jusqu'à hauteur crime, m'a baillé des éléments pour le faire ça. On a commencé avec les données balistiques. Bon, me rappelons un petit bagaille. Éric Jean-Baptiste gagnait 3 véhicules blindés. 3. Ouais. En général, Éric Jean-Baptiste promet à bord de 3 véhicules. Ça, un blindé qui devant, généralement le baladon. Blindé ça a de niveau 6. Il a un blindé qui est en mi-temps. Lui-même, son blindé de niveau 4. Et il a un blindé qui est blindé derrière. Qui ont blindé de niveau 6 aussi. Donc, Eric, il y a 3 véhicules blindés, 2 de niveau 6 et 1 de niveau 4. Écoutez bien. Comme par hasard, le vendredi 28 octobre dernier, Eric, qui est inhabituel, l'habitude lit, ce qui est questionnable dans l'habitude lit, joue ça, comme par hasard, Éric Jean-Baptiste pas sorti dans 3 blindés. Écoutez bien, oui. Il sorti non seul véhicule blindé, qui c'est un Zorikin noir, et Zorikin ça, il de niveau de blindage 4. Écoutez bien. Sauf que, écoutez bien, il a le bord des données balistiques. Pour percer à la fois vitre d'un véhicule qui a un niveau de blindage 4, et pour percer carrosserie d'un véhicule qui de niveau de blindage 4 aussi, ou besoin des types de douille particulières. Type de douille, ça y est, c'est exactement ça que vous trouvez sur scène de crime. Non, ce sont des douilles de calibre 556. Bah, je vais les prendre note. Quand on va parler d'un petit détail qui est important pour résoudre le crime. En Haïti, écoutez-moi bien,